C'est Internotateur, ici Galden pour les jeux du signe. On retrouve notre partie XCOM 2 en mode légende Iron Man. Et on a la mission Feu de la Lame qui nous attend, qui va nous permettre de débloquer, d'obtenir un scientifique qui me permettra d'accélérer mes recherches avec un contrôle, contact de la résistance. Je vais voir ce que c'est, je sais pas trop. Et voici notre équipe qui va agir. Nous avons d'abord le caporal Esme de Sim, qui est notre médecin du bord pour l'instant. Nous avons Ashley Williams, qui est une demande d'entre vous. Je vais retrouver ça tout de suite même, qui est une demande de... Donc Esme de Sim, c'est Ardarine qui me l'avait demandé. Ashley Williams, c'est Katox qui me l'avait demandé. Voilà, il est beau, j'ai essayé de faire au mieux. Je ne sais pas si ça ressemble suffisamment à ce qu'il avait en tête, notre personnage de Evil Dead. Nous avons un personnage qui avait été demandé par Zmoïsis, et devinez comment il s'appelle, Zmoïsis, d'origine russe, donc qui est notre spécialiste que je vais orienter combat. Et nous avons Keitana. Katana, demandé par Ardarine également. Voilà, j'ai un peu plus personnalisé. Une japonaise, forcément, qui fait très très peur. Et qui sera spécialiste du sabre. Et... Et j'ai dit une connerie. Je pensais que j'avais deux qui étaient copains, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Alors, bah, je vais vous présenter vite dans ce cas-là. Lui, c'est avec... Ah bah, H. William, c'est avec... Jean Bombeur. Le fameux Jean Bombeur. Il est magnifique. C'est Morgan von Breland qui m'avait demandé. Voilà. Le très beau Jean Bombeur. Il fait très très peur. Et qui va me permettre de faire boum boum sur les vilains. Et on doit détruire un relais extraterrestre. Et on va essayer de faire au mieux. J'ai toujours un répéteur qui me permet de tuer automatiquement et qui ne m'intéresse pas pour l'instant. Donc je ne vais pas équiper. Hop là. Paré au déploiement. C'est parti. Taigan a détecté le signal d'un relais de communication extraterrestre caché qui envoie un flux régulier de données au réseau d'Advent depuis cette zone. Tout ce que nous ferons pour perturber leur logistique augmentera nos chances de les arrêter. On a déjà fait, et c'est carrément chiant. Les ennemis, puis détruire ce relais avant la fin de la transmission. Menace 1-5, le relais de communication est droit devant. Allez-y et détruisez la cible. Commandant, je détecte de faibles traces d'un signal. Quelqu'un au sol nous envoie un message, mais c'est trop brouillé. Ouvrez l'œil, il y a peut-être des contacts là-bas. Ouais, on va voir ce que c'est. Alors, Keitana. Order's confirmed on the move. Ah, c'est con parce qu'on peut pas avoir de voix japonaise. J'étais obligé de lui mettre une voix américaine. Beaucoup moins intéressant. Peut-être qu'il y a des mods qui en rajoutent, mais là, pour le coup, je vais pas les rajouter. Je suis parti. Hop. C'était qui? C'était Esme de Signe. Jean Bombeur. D'accord. Forcément français. Jean Bombeur ne pouvait que être français. J'aime pas trop sauter comme ça dans l'inconnu. On doit avancer par là. On the move. Hop. J'espère qu'il n'y a pas de population civile ou de gens qui sont cachés derrière. Non, c'est bon. Allez, tout le monde avance. Ah. Pourquoi je peux pas passer à quelqu'un d'autre? D'accord. Il y a des vilains par là. Ok, je bouge.
Là, j'ai une vision plus nette. Je me dirige vers la position. Ouais, j'aurais peut-être pu rester en haut. Ça vient de quel animal quand on y réfléchit ? Ça vient de quel animal quand on y réfléchit ? Bon. J'ai 6 tours. Ah non, c'est pas la même mission. C'est pas celle où on peut le retarder. Oui, donc il faut vraiment que je fonce. Quitte à laisser cette patrouille de côté pour l'instant. Même si c'est jamais très bon de laisser une patrouille de côté. Understood. Moving out. Got a group of hostiles over here. Là, ils sont planqués, donc à la limite. Je peux essayer de rusher pour défoncer ce truc-là. Dommage que tu puisses pas aller par là, toi. Ketana non plus pas. Ça, c'est naze. Ah! Alors, peut-être que toi, il faut que j'aille te causer, justement. Got it. Moving. Ah oui, d'accord, ça me permet de récupérer des ressources. Ok. Allez, allez, allez. Les gens bombeurs, tu vas te planquer derrière le panneau d'affichage. Et Ashley Williams, c'est bon, on va espérer que tu te fasses pas repérer. C'est bien ça quand même. Et souvent en début de partie, c'est quand même drôlement chouette. Alors là, je ne verrai pas. C'est bien dommage. Bien le voir. Hop. Là non plus, je ne verrai pas. Normalement, là ça passe. Je me dirige vers la position. Allez. Pas génial. Ils nous ont en ligne de mire. Oh, ils sont trois. C'est clairement pas ouf. Non. Ce que je peux faire. Ce que je peux faire, ça peut être. Je vais là. Sur qui est-ce que je peux tirer? Là, je te tue à 100%. Faire, c'est que toi je vais te défoncer à coup de bombe. Non, d'abord j'utilise ça. On ne s'arrête pas. Ce qui permet à Ashley Williams de rejouer. Voir. Ah non. Ah. Sinon je te tire dessus comme ça. Donc là je peux du coup lui tirer dessus. Et normalement je le défonce. 3 ou 4, oui. J'ai une chance sur 2 de le tuer. Une petite surprise.
Allez, 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 allez. Merde. Garantir le tuer. Parce que l'avantage c'est que. Ah, en plus ça c'est très bien. Récupérer cross, concentration, tablette de données. Ok. Merde! Ah, c'est bon. C'est bon, c'est pendant son tour qu'ils ont, se sont activés. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, voilà, il peut le faire fuir. Merde. Ah, si, c'est bon. Faites-moi sortir de là, par pitié. Bon. C'est pas ouf. Oh putain, t'aurais pas pu le tuer. Allez, non. Elle est très loin de tout. À la limite. Lui, je peux presque l'ignorer. Concentrer sur les autres. Ouais, pas quand même. Est-ce qu'avec elle. Ah, le problème, c'est que là, j'ai personne. Tirer sur personne, elle est trop loin de tout le monde, quoi. Ça, c'est un peu naze. Là, j'ai très peu d'options, et peu d'options dans ce jeu, c'est jamais une très bonne chose. J'ai 4 tours pour détruire le truc là-bas. À détruire le mur. Il se passe shooter par Ashley Williams. Ouais, c'est bon. Toujours pas porté là. Là. Ah putain, je suis loin. Je suis beaucoup trop loin. C'était pas un bon plan du tout. Alors, s'il essaie de se rapprocher pour me contourner, s'il se met là, il pourra pas tirer sur elle. Normalement. Bah, je vais tenter comme ça. C'est... Je joue un peu dangereux là. C'est jamais une très bonne idée de jouer dangereux à ce jeu, c'est bien connu. Désorienté. Merde. Pardon. Ouf. I'm under fire. Très bien ça. Les zombies, je m'en cogne. Enfin bon, je m'en cogne, sauf.
Normalement, Ashley Williams devrait pouvoir s'en débarrasser. Voir ce que je peux faire. Ok. Allez. La désorienter. Alors, qu'est-ce que tu peux défoncer à coup de katana? Toi, comme ça, très bien. Tac. Ça, c'est un problème réglé. J'aime quand les problèmes se règlent tout seuls. That's right. Alors, katana. Oh merde. Et merde. C'était exactement ce que je ne voulais pas et c'est exactement ce qui est arrivé. Est-ce que toi... Pas sûr que tu arrives à faire grand chose quand même. 40% de chance. C'est bon, ça passe. Ça en fait combien là? Hop. Et toi, je te mets là. J'y vais. Mais te plante pas, cocotte. Il reste pas mal de PV. Ouf. Ça arrive de faire trop. Même sur un critique, ça passera pas. Et 90% de chance, raté. Ouais. Reste ton pote. Ça c'est très bien. Normalement Jean-Bombeur peut se le faire au prochain tour. Bon, ouais, ça, ça pue. Ça pue, ça pue. Bon. Allez, vigilance. Taking heavy fire. Allez, tu m'étonnes. Bon, ok. Deux petites grenades ici. Qui permettra de faire sauter la vigilance et avec un peu de bol. Yes. Est-ce que j'arrive? Oh putain. Chien à désorientation quand même. C'est pas trop tôt. Pas sûr que j'arrive à faire grand chose. Allez, un deuxième tir à 40% qui réussit là. 4, c'est déjà pas mal. Donc ça va être à toi de le terminer. Te plante pas, cocotte. Comme précédemment. Je vais me mettre en position. T'es juste à côté, couillonne. 91% de chance. Bien. Extraterrestre neutralisé. Mon arme est vide. Alors, reste la Merana. Lui, il est à découvert et ça, c'est une très bonne chose. Okay, I'll go. Là. Et lui décharger tout ce que j'ai dans la chaudronne. Putain. Il est grand temps de terminer. Ça semble
Oui, je peux pas l'atteindre avec une grenade, donc on va déjà faire ça. Fonctionne une fois, mais pas deux. Menace 1-5, destruction du relais confirmée. La transmission a été coupée. Éliminez les ennemis encore présents et évacuez la zone. Non, je reste tué là. Là, tu es. C'est tué. Alors. Toi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les soins médicaux sur Ketana. Ameline, occupe-toi des soins. Histoire de m'assurer qu'elle arrive à survivre la mission. Et recharger. Là, t'as dit, j'en mon beurre, fais-moi rêver. Qu'est-ce qu'il nous fait ensuite? Tu me rates, et c'est une excellente chose. Allez, Katana. Toi de choper ta vengeance. Alors attends, est-ce que... Eh non, Ashley ne peut pas l'attendre. Est-ce qu'il y a des positions où il peut le voir? C'est pas gagné. Il est bien planqué le saligo. Si. Là je le vois. Mais je suis à découvert. Je suis loin. Alors, là, je te vois. Allez, on se remue. Et je peux te shooter. 51%, oui, monsieur. Il est tellement beau. Ah, yes, c'est bon. Allez, vengeance de Katana, te plante pas là non plus. 88% de chance. Check it before you get too close. Menace 1-5, statut confirmé. Tous les ennemis sont morts, la zone est sécurisée. Et voilà. Bon, on s'est d'abaissé. Menace 1-5, statut confirmé. Mission à... C'était propre. Le président a félicité aujourd'hui nos fidèles citoyens qui se battent contre ceux presque qui préfèrent propre. Abandonner nos valeurs pour celles de l'ancien monde. Ces mots ont été suivis d'une minute de silence pour les soldats de la paix abattus par les... Les sadamiques comme... Ils sont graves comme toujours. Hein. C'est bon pour le moral de l'équipage. Bon bah, ils sont pas prêts à être potes, ces deux-là. Alors, Jean Bombeur, on a dit qu'il faisait boum boum. Mais les boum boum, de toute façon, commencent par prendre perforateur. Est tellement plus utile que rembourrage. Ça, ça permet de détruire les armures. Pour l'instant, j'en ai pas rencontré, mais quand on en rencontre. Alors, une crosse, c'est pas terrible. Concentration, c'est pas terrible. Ça, ça peut choper, permettre de choper de. Comment, des renseignements, les ressources, ça, c'est très bien. Ouais, bah, ça sera pas ma priorité. Impressionné, commandant. Je vous en demandais beaucoup, mais vous avez fait mieux que ça. Le lien entre ces soldats s'est renforcé. Là, il me faut un bâtiment. Ils peuvent acquérir de nouvelles aptitudes tactiques s'ils s'entraînent encore ensemble. Commandant, de nombreux soldats pourraient renforcer leurs liens s'ils disposaient d'un lieu pour s'entraîner. Oui, bah je sais, bah ça va attendre. Moi, ce qui est plus important. J'ai fait mieux pour préparer les nouvelles recrues à ce qui les attendait. Ah, marché noir. Le retour du commandant vaut bien mieux que tous mes discours. Alors, je vais d'abord faire ça. Nous avons perdu. Ah, j'ai eu du bol qu'elle apparaisse pas elle. Pour les autres. J'ai fait couler le sang pour mes maîtres, comme ceux qui ont combattu en votre. Alors, j'ai l'institut de guérilla et ça c'est tip top. Parce que j'ai des sous. Et
qu'est-ce qu'on fait avec les sous et l'institut de guérilla? Et ben on fait rien parce que j'ai pas encore de sergent. Ah, fait chier. On débloque Squad 1. Mais pour ça, il faut un sergent. Et j'ai pas encore de sergent. S-Médecine n'est pas encore sergent. Et c'est bien dommage. On voit pas l'XP. Je peux. Ah oui, je peux entraîner une classe spécifique. Ce qui me reste. Alors ça, ça pourrait le faire. Ça permet quand même de gagner un tout petit peu de temps. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je regarde. Mais. Qu'est-ce que j'ai en fait? Actuellement, j'ai deux rangers, deux spécialistes de grenadiers, un tireur d'élite. Ce que j'ai déjà fait. Donc, je pourrais faire un autre tireur d'élite. Allez. Thierry Fournier. Oui, tu deviendras tireur d'élite pour 10 jours. Commandant, nous recevons un message prioritaire. Bonjour, commandant. Je crois que vos récentes activités ont attiré l'attention d'Advent. Nos envahisseurs préparent quelque chose. Advent réaffecte un personnel et des ressources considérables à des centres de production et de recherche secrets sur la planète. Les détails exacts de ces opérations sont classés top secret, mais un mot revient dans tous leurs fichiers. Avatar. Je pense que le site secret que nous avons découvert fait partie de ce projet Avatar. D'après ce que j'ai pu voir, c'est un projet de très grande envergure. Selon une source encore indéterminée, ce projet est supervisé par la direction d'Advent. Nous avons essayé de connaître son identité, mais en vain. Nous devons tenter une approche plus directe. Nous ignorons la nature exacte de ce projet Avatar, mais nous pouvons y mettre fin. Nous devons trouver ces installations secrètes avec l'aide de la résistance locale, retarder les opérations ennemies et découvrir la vérité. Localisez la source du projet Avatar et détruisez-la. Si l'ennemi atteint son objectif, je sais que ce sera notre fin à tous. Je suis convaincu que vous prendrez les mesures qui s'imposent pour enrayer cette menace, commandant. C'est la trame principale du jeu, la fille des mots. Suivons ici de près l'avancement du projet Avatar. S'ils finissent ce qu'ils ont commencé, je crois que ce sera notre fin à tous. Ouais, donc on a une sorte de timer. Qui va progresser, qui va augmenter, et puis qui va diminuer aussi de temps en temps quand je ferai en sorte de l'en empêcher. Allez. Donc je termine de rechercher ça. Voilà, Afrique du Sud, plus 26 par tour, des ressources. Pas maintenant, je vais aller au marché noir. Nos peuples semblent s'entendre à merveille, commandant. Voilà. Je vais pouvoir libérer Pratalmox. Hop, cohésion, voilà, améliorer. Nos et promotion. Amis résistants nous ont aidés à retrouver notre soldat disparu. Voilà, pour ça il faudra aussi que j'ai assis je peux. De l'endroit où était retenu le soldat capturé par l'élu. Est-ce qu'on devait tous une opération de secours. Dissimulation une fois. Bien. Et donc là, j'aurai. Ah tiens, je vais découvrir le deuxième élu. Source. Ah non, assis. Oui.
C'est quoi? Bon, ça doit être l'assassin. Pourquoi sortir du camp? Et ben c'est parti. Commandant. Alors. Les conditions au sol se prêtent à une opération discrète. Si nous pouvons mettre nos hommes en place, leur position devra rester secrète. J'en ai que 3. J'en ai que 3 ici. Et ben on va garder la même team. Hein. Avec notre blessé en moins. Et puis on va espérer que je vais pouvoir avoir. Le scan de pouvoir passer sergent rapidement. Ou alors sinon, comme eux ils sont déjà maxés, je peux pas les augmenter. Donc je vais changer de binôme. Donc là c'était le 2. Je vais prendre. Est-ce que Dragunova avec Zmoï 6? Non, je mets Zikino et le signe. Allez. Zikino et le signe. Un beau brin ténébreux. Hop, pardon. Nous savons précisément où se trouve notre soldat fait prisonnier par l'élu. C'est le moment de lancer. Il est pas beau notre signe. Nous allons devoir tout noir. Cette opération. Ou presque, il y a juste le short. Nous ne sommes pas en mesure de déployer autant de soldats que d'habitude. Alors toi par contre, sur ton fusil de précision, je vais te mettre modifier. Ah j'ai déjà une. Qu'est-ce qu'elle a comme équipement? Fusil de précision. Pourquoi est-ce que... Je sais pas. Ah si, lunettes. Il y a déjà une lunette avec visée augmentée de 5%. Cross. Ouais, je vais te le mettre là-dessus. Modifier. Ah, je vais y arriver. Amélioration d'armes, alors j'ai répéteur ou cross. Alors je vais mettre répéteur ici, avec une chance d'élimination instantanée. Et je vais mettre la cross là, parce que lui il rate plus régulièrement ses tirs, normalement. Allez. Allez. Et ben, je vais arrêter cet épisode-là, et puis on fera cette mission. La prochaine fois, nous allons libérer Pratalnox. J'espère que cette mission, enfin, que cet épisode vous aura plu, pardon. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me donner votre nom si vous voulez rejoindre l'équipe. Et on verra bien ce que donnera cette prochaine mission. S'appellera la mission Vence. Grâce à nos amis de la résistance, nous savons où trouver le soldat capturé lors de notre dernière opération. Il serait retenu prisonnier dans une installation de haute sécurité d'Advent. Opération si guerre du chien. Nous allons devoir nous y introduire avec la plus grande discrétion. Allez. Si nous sommes découverts, la situation risque vite de dégénérer. Bisous tout le monde. Ciao ciao.